On a essayé d'envoyer du jeu. C'était pas mal. Je trouve que alors s'ils nous ont empêché un peu de jouer, ils ont souvent été hors jeu. J'ai beaucoup râlé moi. Mais ouais, je crois qu'ils étaient souvent hors jeu. L'arbitre a laissé jouer. Sûrement pour qu'on prenne du rythme et pour pas qu'il y ait trop d'arrêt de jeu. Mais plutôt content dans l'ensemble. En mêlée, on a fait un bon match. En touche, on a été pas mal. Devant, on a fait un gros match, on va dire. Derrière, on a été un peu plus approximatif, mais bon, ça vient. C'est mieux que la semaine dernière. C'est mieux, oui. Il y a eu beaucoup plus de choses que la semaine dernière. Je crois qu'on a tombé moins de ballons, même s'il y en a eu quelques-uns encore. Mais je pense que le temps aussi a permis de jouer plus. Il a fait un peu moins chaud que la semaine dernière, donc c'était important. On s'est dit de jouer pour prendre confiance aussi pour le début du championnat. Par rapport à la saison dernière, sur les matchs amicaux, est-ce que tu sens les mêmes choses ou tu avais un ressenti sur ces matchs amicaux, sur ce que le jeu t'est proposé, l'engagement des joueurs, l'investissement Je sais que le premier... Très bien, c'est un bon mec, on parle souvent, on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de souci. C'est très bien. On a un peu le même jeu, mais c'est bien parce que c'est un super joueur. Et puis voilà, à l'entraînement, je l'aide parce qu'il commence à parler français. Voilà, moi comme ça, j'apprends un peu plus l'anglais. Et non, mais c'est vraiment un bon mec, donc c'est cool de travailler avec lui. C'est bien parce que ça va être un match complètement différent. Peut-être plus comme la Coupe d'Europe, on va dire. Ou peut-être il y aura plus de rythme, moins de défis dans les rucks. Mais je pense que c'est important pour nous de faire un match comme ça aussi. Et j'espère qu'on va gagner pour continuer à se mettre en confiance.